Good morning, allez, Iden, les titres aujourd'hui, le Nishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, et Shlomo Nissim ben Sarah, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Menachot, Perek Vav Mishnah Hei. Kol a Menachot, Teunot, Shlosh Meot, Shifa, Achamesh Meot, Beita, Va Shifa, Va Beita, Bachitim, Rabbi Yossi Omer, Rav Babatzek, Kol a Menachot, Baot, Eser, Eser. חוץ מנחם הפנים, וחוויתי כהן גדול. שם באות 12. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, כולן באות 12, חוץ מחלות תודה והנזירות, שם באות 10. פרמי סוג'ה דבור, כל המנחות תאונות 300 שיפה ו-500 בעיטה. תות למנחות. רוקייר. Que l'on va les effriter, je ne sais pas comment traduire ce geste-là, de prendre des graines et de faire comme ça, d'effriter, d'éplucher, de frotter les doigts, en tout cas, de les frotter. Ouais, c'est peut-être la chouffe, frotter. Donc il faut les frotter 300 fois, et Beita, normalement Beita c'est un coup de pied, mais là c'est avec la main, et on lui met des coups, 500 coups. Et la Mishnah précise, Ve'ashifa, Ve'abeita, Abachitim. Que ces deux actions, qu'il s'agisse de frotter ou ensuite de frapper, on le fait avec les grains de blé. Et on explique de quoi on parle concrètement. Lorsqu'on a du blé qu'on va en faire de la farine, vous savez bien, c'est dans la Melechat Shabbat, on récupère le blé, on commence par le faire sécher d'abord, et puis après, on va faire la disha, dash, on va faire piétiner la vache, et ça va faire que maintenant la petite écorce va se séparer du blé, et puis après il y a tout un système de le zorer, je crois que ça s'appelle semer en français, c'est qu'on jette en l'air, et le vent vient et pousse les petites impuretés, tandis que les grains de blé retombent sur place. Zorer. Maintenant, au Beth Amikdash, lorsqu'on devait apporter de la chita, du blé, pour en faire de la semoule, alors je ne sais pas pourquoi, mais on les fritait pas, on n'enlevait pas cette... On ne battait pas le blé, en fait, avec des animaux, mais on le battait manuellement. Et comment on faisait? Alors la Mishnah me dit, il faut que tu vas à la fois les friter et les frapper. Les friter et les frapper. Tu les frites pour faire que la peau, elle va facilement se détacher du grain. Et puis après, tu frappes, tu écrases, de manière à ce que la peau va sortir du grain, à ce que le grain va sortir de la peau. D'accord? C'est les deux principes. Donc, un, on fait 300 frottements et 500 coups. Concrètement, le Bartholomew, il explique en fait qu'on fait. On commence, on frotte une fois, on tape deux fois. Après, regardez, c'est Shaf Achat Uboet Shtaim, Shaf Shtaim Uboet Shalosh. Il commence par frotter une, ouais, je sais pas combien, parce que c'est une fois comme ça. Après, il frappe deux fois. Après, il frotte deux fois. Et il frappe de nouveau trois fois. Si vous faites le compte, ça veut dire que l'on va avoir... Et après, cette même série, on la refait une autre fois. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Et si on procède ainsi, ça vous allez voir qu'on va se retrouver avec 3 et 5. C'est-à-dire pour... Lorsque tu as fait un frottement, tu vas frapper deux fois. Après, tu vas faire deux frottements. Et tu vas ensuite frapper trois fois. Donc, ça va nous faire 1 plus 2, 3. 3 frottements. Et 2 plus 3, 5. On fait ça 100 fois en tout, c'est-à-dire qu'on va faire 300 frottements et 500 beïta. D'accord? Ça, c'est pour séparer la graine, donc c'est ce que la Mishnah précise en me disant qu'on le fait quand c'est bachitim, donc les grains ils sont encore intégrés. Rabbi Yossi Omer, alors soit il dit babatsek, soit il dit af babatsek. C'est discuté en fait dans les Rishonim. Si vous regardez dans le Bartanura, il nous dit achi garsinan, comme ça il faut tenir comme version Rabbi Yossi Omer babatsek. Tout est. Alors. Frottement, ou plutôt quand tu vas frapper la pâte, il faut le faire sur la pâte, et pas sur le grain de blé. Ou si vous dites « af babatek », ça signifie, c'est vrai ce que tu as dit, qu'il faut frotter le grain de blé, et le frapper, et le battre, mais il faudra aussi battre la pâte. En tout cas, le but de principe de Rabbi aussi, qu'il faut battre la pâte, c'est plus tellement fréquent à notre époque de pétrir comme ça. Dans les matzot, ça se trouve encore, où il n'y a pas beaucoup d'eau, on commence à pétrir les matzot avec vraiment une petite quantité d'eau. Et alors là, on se retrouve dans cette situation où justement la pâte est très dure à travailler. Et un moyen pour bien la travailler, c'est justement de
de la frapper, de la battre, ça va l'écraser, ça va la faire blanchir en l'occurrence. Elle a au début une tendance un peu jaune-marron, et après plus on va frapper, plus ça va bien se mélanger, elle va un peu blanchir justement. En tout cas, pour la Mishnah elle-même, donc Rabbi Yossi vient et me dit, je veux que tu mettes tous les coups là qu'on a dit, les 500 coups, tu les mettes dans la pâte. Soit aussi dans la pâte, c'était très, très physique apparemment, ou soit que dans la pâte. Ensuite, Kol amenachot bot eser eser chutz melechem apanim vechabite kohen gadol shem bot shtem esre. La Mishnah se dit, toutes les oblations, quelle que soit l'espèce, marvat, machreshet, tout ce qu'on a appris, minchat maafé, chalot, rekikim, il y a aussi minchat solet aussi. Toutes les menachot que tu apportes au Beit HaMikdash, il faut que tu les apportes par série de 10-10. C'est-à-dire, lorsque je t'ai dit d'apporter un isaron, tu vas prendre la quantité d'un isaron, tu vas les séparer en 10 petits pains ou ronds, peu importe. Et le Bartanoa va nous préciser ensuite, je le dis tout de suite, ça inclut même aussi la mincha de solette. Lorsqu'on apporte la mincha en pâte, encore, qu'on n'a pas encore cuite au four, qu'il faut, d'accord, c'est un peu la mincha de solette qu'il faut la prélever tant qu'elle est encore solette, c'est-à-dire qu'elle a encore une simple pâte, eh bien, là, de nouveau, ensuite, il faudra ensuite les faire cuire former 10 pains. Donc, toutes les menachot viennent 10-10. 10 pains par 10 pains. Chutz mi lechem apanim vechavite kohen gadol, à deux exceptions, le lechem apanim, les fameux pains du Shabbat, il y avait, la Torah a dit, shesh amarechet veshesh amarechet, 6 d'un côté et 6 de l'autre, donc ça nous fait 12, la Torah l'a explicité, et aussi lechavite kohen gadol, la fameuse oblation que le kohen gadol devait laisser au Beit HaMikdash, que le kohenim apportait, pour que lui apporte lui-même, ça vient même, en tout cas qu'il fallait laisser au Beit HaMikdash, alors de nouveau cette quantité de pain, il fallait la former en 12. Et faire la moitié le matin, la moitié le soir. On avait rapporté la discussion Rambam Ra'avad, est-ce que c'était 12 demi et 12 demi, ou bien c'était 6 et 6. Donc, la Mishnah nous a dit, Kol aminachot bot, et c'est-à-dire toutes les aminachot, tu les fais par série de 10, tu prends la quantité d'un isaron que je t'ai demandé, tu vas former 10 pains, sauf donc le lechem apanim, les pains du Shabbat, les 12 pains du Shabbat, et les chavite kohen gadol, la minchat machavat, du Kohen Gadol qui fait là-bas le faire en 12. C'est une Xéra Shava entre eux, le Kohen Gadol et Shabbat. Le Bartanora nous rapporte, une Xéra Shava, Chok Olam, Chok Olam. Dans les deux, la Torah a dit Chok Olam pour nous apprendre une Xéra Shava. Tel est l'avis de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir pense plutôt, Kulan Baot Shetem Esre. Toutes les Minachot, au contraire, il faut les faire avec 12 petits pains. Avec deux exceptions, Chutz Michalot Toda ou Nezirut. À deux exceptions toutefois, qui sont les Chalot de la Toda et de la Nezirut. Il y a deux Korbanot, le Korban Toda, que l'on doit apporter avec, en plus de ça, 40 pains. Une grande quantité, on aura l'occasion, Bezant Hashem, au prochain Perek. On va parler, justement, il s'appelle le Perek HaToda, et on va parler longuement de tous les pains de la Toda. Alors là, la Torah nous a précisé, cette fois-ci, tu vas le faire en série de 10. C'est explicite, et ainsi que va Nezirut, le Nazir, lorsqu'il va vouloir se finir sa Nezirut, il va devoir apporter un korban, et alors avec en plus de ça des pains, donc les Chabim, l'Achmé Nazir, et là-bas à chaque série en fait, dans les Toda, comme dans le Nazir, la Torah nous impose d'apporter différentes sortes. Dans la Toda, 4 sortes, dans le Nazir, 2 sortes, et chaque sorte, elle doit inclure 10-10. C'est pour ça que la Mishnah répète le mot 10-10. Shenbot, SR, SR. Bon, là-bas, il va falloir faire chacune des espèces en 10-10. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Slachakol, tout ça.